Bonjour à tous, ici Manganime Fan. On se retrouve pour le classement du Shonen Jump numéro 12 de 2021. Dans le fond, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de commenter. Cette semaine, c'est le premier anniversaire d'une série. Donc, on se retrouve après le générique pour en parler. Bienvenue à tous pour ce classement du Shonen Jump. C'est le temps de parler tout de suite de la zone hors classement. Cette semaine, dans la zone hors classement, on retrouve en couverture et en page couleur principale Undead Unlock, qui fête son première année dans le magazine. Bravo, bon anniversaire, et que ta série continue encore au moins une deuxième année. On ne sait jamais. Sinon, les autres pages couleurs reviennent quant à elles à Nine Dragon Balls Parade. Paraît qu'il est meilleur que le monde pensait. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Je peux pas vous le dire, je l'ai pas lu. J'attends toujours qu'une série ait assez de succès pour me dire que ça mérite que je le lise. Les autres pages couleurs reviennent aussi à Dr. Stone, ainsi qu'au one-shot Chunoryuku Inu-san. Sinon, dans la partie « Je suis trop récent pour être classé », on retrouve The Elusive Samurai, ITLC et Witch Watch. Encore 3 semaines avant que Elusive Samurai vienne dans le classement. Cette semaine, dans les absences, on note que One Piece n'est pas là. Et donc, rejoindre notre ami Hunter x Hunter. Bon, pas grave. Passons à la zone rouge. Cette semaine, dans la zone rouge, à la fin du classement, à sa place normale, on retrouve Build King. Aïe, 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 aïe. Il est précédé par quelqu'un qui revient dans notre zone rouge après y avoir échappé la semaine passée. Hardboiled Cop and Dolphin. Oups. Et par l'habitué total de la zone rouge, Phantom Seer. Oui, parce que Phantom Seer, c'est un habitué de la zone rouge. Je pense que ça fait comme 20 chapitres qu'il est dedans. Sinon, on sort de la zone rouge cette semaine, mais elle se dit, hey, je suis juste en avant de la zone rouge, c'est High School Family. Oui, ben oui. Perd 2 places par rapport à la semaine passée, c'est Magu-chan, God of Destruction, qu'on retrouve à la 9e place. Ne change absolument pas de position, c'est Ayakashi Triangle, à la 8e. Revient de sa belle page couleur de la semaine passée, en 7e position, c'est Sakamoto Days. C'est son pire classement jusqu'à là. Mais bon, c'est juste un classement, c'est 7, c'est une mi-tableau pour lui. Pas si pire. En 6e, c'est Mission. Yusakura Family, qui garde quand même un bon rendement depuis une couple de semaines. Bravo. En 5e, c'est Black Clover. Un bon rendement pour Black Clover encore. En 4e position, réintègre le classement après sa magnifique page couleur de la semaine passée. C'est Marshall! Oh yeah! Marshall échappe au podium. Podium surprenant, car cette semaine, prend la médaille de bronze. C'est Mi en Roboco. Oh my god! Fait une remontée de plus 6 pour prendre la médaille de bronze. C'est insane. En 2e position, on retrouve bien sûr l'inglaçable Jujutsu Kaisen. Et, sans grande surprise, la première position revient à My Hero Academia. Ouais. Pour les informations du Jump de la semaine prochaine, du Jump 13, on retrouvera pour fêter sa première année de publication Masha! En couverture. J'ai hâte de voir la couverture. Il y aura donc le cover, les pages couleurs et 28 pages au lieu de 22. Donc, au lieu de 19 en fait. Donc, j'ai bien hâte de voir ce chapitre de Mashal. Les autres pages couleurs vont revenir à Mien Roboco pour ses probablement très belles prestations et à Ayakashi Triangle qui fait des belles ventes et qui se maintient bien dans le tableau. Sinon, ce sera aussi le début du Jump Short Frontier qui va voir. Une série de one-shots publiée à partir de la semaine prochaine. Donc, encore une fois, on va avoir plein de one-shots dans les prochaines semaines. Le premier sera Ningen no Uta de Furuta Seiran, à qui on doit Gonju no Batoro. Donc,
c'était les informations que j'avais pour le jump de cette semaine. J'espère que ça vous a plu. J'étais Manganim Fan. On like, on commente, on partage. Et je vous dis à bientôt. Bye!